Gérard résiste, après tout, et quelques-uns encore pour les illuminations de Noël du Café Bleu. Moi, je trouve que c'est merveilleux, et bien sûr, ça va mourir. Et j'ai mis Nelson Mandela avec Titeuf. Ce monsieur y a œuvré pour que tous les blancs et les noirs s'entendent ensemble. Plus de guerre, pas de racisme. Voilà la devise de ce monsieur. C'est pour ça que je le mets à l'hommage aujourd'hui dans ses illuminations. Et le grand méchant loup et les trois petits cochons. C'est beau quand même, hein. Et ce tableau, la fuite en Égypte. Jésus naît à Bethléem, petite ville de Judée. Comme il était juif, il devait fuir le régime d'Hérode. Voilà la fuite, parce que à cette époque, il massacrait déjà tous les enfants. C'est-à-dire, parce que Jésus étant juif, il massacrait tous les juifs. Voyez-vous, rien n'a changé. C'est terrible de ne pas pouvoir se supporter sur cette terre. Voilà. Alors vous voyez le petit âne. Jésus, Marie, Joseph, comme on dit souvent. Ils sont obligés de fuir Bethléem pour aller en Égypte, en voiture. Voilà l'histoire de la fuite en Égypte. Bien sûr, aussi, on ne sait pas, personne ne sait quand est-ce que Jésus est né. Mais de toute façon, cette fête est magique. Suivant la